Je m'appelle Benjamin Plus, j'ai 24 ans. Je suis originaire du Mans. Et je joue actuellement pour les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Suite à un récent partenariat entre la Fédération Française de Football Américain et la CFL, la Canadian Football League, j'ai été sélectionné pour participer au combine national qui va se dérouler du 22 au 24 mars 2019 à Toronto. Donc lors de ce combine, je vais être évalué sur 3 jours, donc sur mes différentes aptitudes physiques, sur ma vitesse, ma force, et aussi mon agilité. Donc je fais partie des 4 Français qui participent à ce combine. Donc c'est une première, ce combine normalement est ouvert qu'aux Canadiens. Depuis cette année, il y a certains Européens donc, qui participent. J'ai la chance de participer avec Maxime Rouillère, Asnel Robot et Valentin Niawa. Donc on est les 4 Français qui allons faire ces tests. Donc ça fait 9 ans que je fais du football américain. J'ai commencé au club des Caïmans 72, donc de ma ville d'origine, Le Mans. J'ai commencé dans un sport-études. En fait, c'est une section sportive, ce qu'on appelle plus communément un sport-études. Je suis ensuite parti à Amiens pour évoluer au Pôle France. Donc j'ai joué au Spartiate d'Amiens cette année-là, c'était en 2013. J'ai également fait l'équipe nationale junior cette année-là. On a fini vice-champion d'Europe. Et puis après, je suis revenu au Mans pour 2 ans. Donc j'ai fini mes études là-bas. Et je suis parti à l'université McGill pour jouer pour les Redmen de McGill. Donc après ma première saison à McGill, pendant la off-season, il y a eu le camp de printemps en fait, je me suis blessé là-bas à l'épaule et je suis rentré en France pour me faire opérer. Donc voilà, j'ai repris tranquillement, je suis passé par un centre de rééducation et j'ai été recruté par Maxime Dupuis et Fabien Ducousseau en fait au Black Panther de Thonon-les-Bains. Pour me préparer à ce combat, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Maxime Dupuis, qui me prépare physiquement pour les tests. Il m'aide pour tout ce qui est musculation, donc j'ai un programme particulier qui est à la fois axé sur force et explosivité, qui vont correspondre pour les tests. Et puis Yannick Vanas qui me prépare en tant que coach de position donc, au poste de receveur. Avant que la nouvelle soit officielle, donc on a essayé d'anticiper les choses. On a commencé la prépa en amont. Puis dès que ça a été officiel, on a continué sur la préparation dans laquelle on était. Physiquement, c'est pas facile dans le sens où on est à la fois dans la saison et puis je dois préparer pour le combine. Le programme a dû être adapté pour que je puisse faire les deux. Et puis là, avant mon départ, on a réduit les entraînements avec l'équipe et on a accentué le travail personnel. Étant donné que la préparation était très intense, j'ai pu bénéficier donc de la cryothérapie. Et d'ostéo aussi pour m'aider pendant la récup. C'est un processus qu'il ne faut pas négliger, sachant que la prépa elle s'est faite en plus de la saison, donc les blessures peuvent vite arriver. Donc là, ça me permet d'avoir une meilleure récup et de pouvoir enchaîner les entraînements. Benjamin, aujourd'hui, il est en pleine préparation. Il doit aussi prendre soin de la phase de récupération de manière à bien faire régénérer son corps
et accélérer le processus de récupération. Et on est là pour ça, justement, pour booster sa récupération. Et quand il a du temps et quand il veut revenir un petit peu à son ressenti et arriver à avoir des sensations beaucoup plus agréables et optimales, on fait de la cryothérapie et on l'accompagne pour ça. Mes points forts, donc en tant que receveur, je vais m'appuyer sur ma vitesse et mes changements de direction. Donc c'est vraiment mon point fort. Je reste un receveur de grande taille, mais je suis encore un peu léger. Je vais m'appuyer également sur ma capacité à courir mes tracés et à catcher des balles. Je vais être confronté aux meilleurs prospects canadiens. Donc il va y avoir les meilleurs athlètes qui sortent de l'université, donc ça va être un combat qui va être assez difficile. J'espère faire partie des top receveurs au niveau des tests de vitesse. Je vais vraiment faire de mon mieux pour le test de position et voilà, faire bonne impression, représenter la France et les receveurs français. Mon but global, ce serait de me faire repérer par la CFL. Dans un premier temps, j'aimerais vraiment participer à un camp d'entraînement, donc d'une équipe pro. Puis espérer par la suite rester dans cette équipe et faire mes preuves. À l'heure actuelle, les joueurs français, on compte comme des Américains en fait, on fait partie du quota d'étrangers. Donc on va devoir rivaliser avec les Américains, ça va être pour nous quelque chose qui va être encore difficile cette année. Mais c'est quelque chose qui est faisable, il y a déjà des joueurs français dans la CFL. Au fil des années, avec ce nouveau partenariat, il y aura des places en fait sur les rosters réservés aux Européens. Ça c'est quelque chose de vraiment bien, ça va ouvrir des portes pour les Européens, donc pour les Français. Moi j'ai la chance de faire partie des premiers qui participent déjà au Combine, c'est une première parce que c'est réservé qu'aux Canadiens. Petit à petit, au fil des années, ça va s'améliorer et il y aura des places en plus pour les Européens. Ce récent partenariat est vraiment bien, ça va aider à développer en fait le football américain en Europe, donc en France, car c'est un sport qui est vraiment pas majoritaire ici. Les épreuves du Combine vont se dérouler du 22 au 24 mars, elles vont être retransmises en direct donc sur le site de la CFL. Je suis vraiment content de faire partie des premiers Français à vivre cette expérience. Avec les autres gars donc avec qui je pars, on va vraiment essayer de représenter la France et puis les joueurs français. On va faire notre mieux pour réaliser les meilleurs tests, faire partie des top joueurs. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, on va essayer d'être le plus actif possible pour que vous puissiez vivre cette expérience avec nous. Avant de vous quitter, je voudrais encourager Valentin Niawa, Maxime Rouillère et Asnel Robot qui vont participer avec moi à cette expérience. Et je voudrais remercier la Fédération Française de rendre ça possible. Quant à nous, on se retrouve très bientôt.